vais vous parler de harcèlement sexuel. Ah, très bien. Suite à une prise de position de Christine Boutin, qui cette semaine a déclaré « Moi, j'aime bien la gauloiserie ». Ok, allons-y. C'est une cousine, tout équipée. C'est son cousin qui l'a montée. Elle s'adapte à tous les styles. Cousine au beurre, cousine à l'huile. Quand elle est nue sous son tablier, c'est de la cousine épicée. Quand elle est chaude, tout en sueur, c'est la cousine à la vapeur. C'est une cousine, tout équipée. C'est son cousin qui l'a montée. Elle fume, elle pète, elle rougeoie. C'est la cousine au feu de bois. À la baguette, elle s'apprivoise. C'est de la cousine chinoise. Brûlante au bout de 10 secondes. C'est la cousine au micro-ondes. C'est une cousine, tout équipée. C'est son cousin qui l'a montée. Elle est trop bonne dans ses dessous chics. C'est la cousine gastronomique. C'est pas du harcèlement sexuel. C'est de la cousine au gros sel. Le feu au cul, elle se régale. Quand on l'appelle la femme à poil. La gauloiserie est un art très subtil. C'est une cousine, tout équipée. C'est son cousin qui l'a montée. Il lui a mis la petite graine. C'est de la cousine végétarienne. Voilà qu'elle devient grassouillette. C'est la cousine du sud-ouest. Voilà qu'elle s'introduit un poireau. Peut-on parler de cousine bio? J'ai encore 15 couplets comme ça. C'est une cousine, tout équipée. C'est son cousin qui l'a montée. Pas tellement propre sur elle. C'est de la cousine industrielle. La tête enfouie sous un oreiller. C'est la cousine à l'étouffer. Parfois il faut qu'elle se plaigne. C'est la cousine sans gluten. C'est une cousine, tout équipée. C'est son cousin qui l'a montée. Je crois que là on a bien compris ce que c'est que la gauloiserie. À ce petit jeu des cousines à la con, il y en a une qui décroche le pompon. Une cousine montée par son cousin. Évidemment, c'est Christine Boutin.